Blabla, 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 blabla. Alors je commence à parler, moi et tout, je commence à raconter ma vie, et puis là je me dis, mais y a pas le micro, Lolo. Lolo, tu fais n'importe quoi. Waouh, je me trompais. Attendez, je vais vérifier qu'il soit bien mis au bon level. C'est bon, le micro est au bon level. J'ai vraiment fait n'importe quoi là. J'ai commencé le live, j'ai pas mis le micro, le son, le tout, le truc, le machin. Tu peux fermer, c'est bon. Et du coup, j'ai pas préparé mes écouteurs. Quel scandale! Oui, j'allais faire ma story. J'allais faire ma story pour dire vous pouvez rejoindre le live est en route. Ben, j'étais en train de dire bonjour à tous ceux qui verront ce live en replay. Je suis désolé, vous allez avoir 10 secondes, 10 secondes, 1 minute de moi en train de faire le ventriloque où il n'y a rien qui sort de ma bouche puisque j'avais pas mis le micro. Et là, je parle, du coup, je fais n'importe quoi. Voilà, afficher la chaîne, tac. En direct, ben, du coup, comme le direct est lancé, je vais pouvoir prendre le lien directement du direct, ce que je ne peux pas faire d'habitude. Voilà, et là je vais pouvoir mettre ma petite story. Ouais, je vais faire vite. Tac. Tac. Rajouter un lien. Tac. En live. Boum. C'est parti. Coller. Terminé. Live. En live. Voilà. En live. On va pas mettre de musique. On écrit juste en live. Boum. C'est parti. Hop là. Voilà. Boum. On met ça en gros. Boum. 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 Partager. C'est parti. Désolé de vous avoir fait entendre, les amis. T'es le plus beau. T'es un homme musclé. Merci, Yura. La crêpe. Sabrina, Sora, Nino, Olivia, Laura, Claudie, Adrien, yo lolo, Adrien toujours présent. Justement, regardez, hier ton trip à Busan, trop bien en tout cas, ça faisait longtemps, mais grave, c'était trop bien de repartir avec Jisoo. Quel kiff, ça nous a tellement donné envie de repartir tout le temps. Et du coup, voilà, du coup, on va repartir avec Jisoo bientôt. Salut à Cotentin, en Corée, c'est bien ça, c'est bon. Salut Malik, toujours présent aussi. J'attendais ton live, me voilà les amis. Désolé pour ce petit retard. Je me dis, non, c'est pas un retard. Enfin, si, oui, un petit retard. Quelques minutes. Merci pour l'Instagram VIP. Tous les VIP là qui êtes présents dans le live, j'ai fait un chat Instagram pour nous. Voilà, si vous m'avez pas envoyé de message sur Instagram, envoyez-moi un message sur Instagram. Et sinon, nous voilà. Parti les amis pour continuer le visionnage des épisodes de Shanghai. J'espère que vous passez une bonne journée. Installez-vous confortablement parce que on va beaucoup rigoler aujourd'hui. Ça va être n'importe quoi. Vraiment, les journées qui arrivent là, c'est n'importe quoi. Rémi est là. Rémi, Adrien qui était là au même voyage abonné. Trop bien, trop bien. Salut Tania dans le bus. Petit coucou. Je prends en replay. Bisous à vous tous. Ça marche Tania. Tania qui est en Corée aussi. Du coup, les amis, comme je vous disais, aujourd'hui, je ne savais pas, je vais t'envoyer un message pour le chat. Yes, vas-y, Sora. La semaine dernière, là, j'ai bossé sur ma nouvelle vidéo, enfin sur la vidéo que vous avez vue. Rien de spécial en particulier, à part voilà, du boulot sur l'ordi, tout ça. Voyage abonné qui arrive dans 2 semaines. Donc là, je finalisais un petit peu tout. Voilà, j'ai fait que du travail la semaine dernière, rien de spécial. Alors, le sport, un peu moins de sport. Surtout beaucoup d'étirements et tout pour une petite douleur dans le dos toujours. Voilà, donc on en est là. On en est là et on va commencer tout de suite le visionnage des épisodes de Shanghai. Là aujourd'hui je tourne une nouvelle vidéo, elle va être excellente. En plus c'est une vidéo super facile à faire. Pas facile à forcément faire mais à monter. Le montage excellent parce qu'en fait c'est une vidéo sans cut où j'ai filmé 15 minutes. Je voulais le faire à pied, finalement je l'ai fait à vélo. Je l'ai filmé 2 fois du coup, parce que j'ai fait le parcours une fois à pied. Je me suis rendu compte que quand il y a des lignes droites, enfin quand il y a des moments où il se passe rien, c'est un peu lent et voilà, c'est longtemps le temps que tu arrives au bout de la rue, au croisement et tout. Donc je l'ai fait à vélo une deuxième fois. Je me suis filmé, voilà, 15 minutes sans cut. Je voulais vous amener dans des rues vraiment résidentielles en Corée, les gens, où est-ce qu'ils vivent, comment c'est le dimanche en Corée, tout ça. Et du coup, voilà, ça donne une petite vidéo sympa. Vous allez voir, c'est assez calme. Dans les quartiers, tout ça. Il y a les cerisiers aussi dans les quartiers en ce moment, au milieu des bâtiments. Vous allez voir, c'est chouette. Ça fait une belle petite vidéo. Je vous sors ça dans la semaine. Comme l'autre, elle vient juste de sortir. Je voulais pas. Là, il y a le live, tout ça. Je vais pas la sortir aujourd'hui, mais voilà, je la sortirai dans la semaine. Petite vidéo sympa. Immersion Corée. Salut Alex. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce visionnage aujourd'hui à la bonne franquette? Tout va bien. Voilà, semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Semaine prochaine, j'ai des petits rendez-vous pour rencontrer des gens en Corée qui habitent ici ou qui sont de passage. Donc voilà, je vais essayer tous les midis de manger avec des gens.
Un Reels, normalement, il faut que je fasse un Reels aussi la semaine prochaine. Voilà, tranquille. C'est le retour de l'encarnation en vidéo. Salut, Rick est là. Oh, Rick, tu vas rigoler aujourd'hui. La série, je sais pas si tu vas pouvoir tout voir, mais la série qu'on va regarder aujourd'hui est très rigolo. C'est très rigolo. Annyeonghaseyo. Et un pseudo, je pourrais pas le dire là par contre. J-23, mon débarquement en Corée. Merci pour le live. Quelle température en ce moment? Il fait super bon aujourd'hui, 21 degrés, je crois qu'on a fait là à l'heure actuelle où je te parle. Nous, on a fait super bon cet après-midi. Météo, tac, 21 degrés, plein soleil. C'est bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un plein soleil. Il y a toujours des nuages là. Et la semaine prochaine, c'est du 20 degrés. Oh, on est bien, hein, franchement, aujourd'hui, pull, pas besoin de veste. Par contre, ce soir est tout obligé. Donc, Madric est dans la place et ça tombe bien parce que là, les vidéos qui arrivent vont être épiques. C'est parti, les amis. Visionnage des vidéos. À la bonne franquette, installez-vous bien. On est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Hein, on s'était arrêté. Est-ce que quelqu'un se rappelle où est-ce qu'on s'était arrêté? Laurent Cassia, Shanghai. C'était. On s'était arrêté. À l'épisode de. On avait fait la visite du temple. On devait passer à l'épisode 18, c'est ça. On avait fait une visite du temple dans un quartier. Donc là, on allait passer à l'épisode 18. L'épisode 18 qui est pas là. J'ai dû le télécharger avant. Alors. Il est là. Voilà, c'est parti. J'ai mon 5 à mon départ en Corée, je crois qu'il va faire chaud. Tout le monde vit en Corée là, si j'ai bien compris. Vous êtes tous trop chauds pour la Corée. C'est bon, c'est parti. Bon, là, les amis, on part pas en Corée, là, on part à Shanghai. On part à Shanghai, les amis. Installez-vous bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Shanghai. Tac, le petit chien. Vlog francophone, bienvenue en Shanghai. C'est dans cette journée, on va faire une rencontre encore qui marquera quelques épisodes de la suite. Et salut à tous pour cette 18e journée de Shanghai. Bienvenue dans le vlog. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va aller courir. Pourquoi on va courir? Parce que ça fait des Là, on dernières court fois. déjà, en fait. Voilà, on marche très Tu vite. marches Là, très vite. on va aller au resto pour prendre le repas du midi. Et ensuite, vous avez été plusieurs à bien aimer le petit parc qu'on a été il y a 2-3 jours, là. Enfin, le grand parc. Ceinturé. Nous aussi, on avait beaucoup aimé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner. Si on se fait pas écraser avant. Voilà. On va y retourner et on va faire un petit footing là-bas pour commencer la journée bien comme il faut. Ouais. En fait, tous les midis, on a droit à cette musique. Comme on reste un moment dans le resto, on commence. Ça devient psychédélique. Le soleil dévoile quelques rayons, c'est le temps idéal pour venir faire un faire footing, mec. Un peu de sport. Nous voilà arrivés donc au parc. Vous êtes prêts? Eric, faut vraiment que tu nous refasses la même coiffure là. C'était dantesque la coiffure que t'avais. Trop énergique, trop de matcha ce matin. On pétait le feu là. Et on pétait tellement le feu qu'on va faire un footing. Allez, c'est parti. Tu quittes ton pull aussi ou pas? Je crois qu'il va falloir que j'enlève le son. Ah oui, il fait bon là. C'est super bon, on a beaucoup de chance. J'avais mis la musique de Rocky et tout. Ah, beaucoup de chance, ça on fait était vraiment parti comme sur le ça. parc, on avait bien aimé quelques jours plus Exactement. tôt, vous vous rappelez? On l'avait vu On dans va le live. profiter de cette chance. Carrément. Bah, il y aurait une montagne, on serait parti faire une randonnée dans la montagne, mais jamais cette coupe. il n'y a Mais pas de ouf, montagne à c'était Shanghai, trop c'est tout plat. stylé. C'est vrai, c'est dommage. Et allez, c'est parti pour une petite heure de footing dans le parc, dans cette super ambiance, puisque vous voyez, c'est comme l'autre jour. Il était chouette ce parc. C'est très calme et très agréable. Ça va être aussi l'occasion, cette course, de tester le sac à dos que j'avais acheté en France pour Jeju-do. Parce qu'une fois qu'on sera en Corée, Mais ouais. on ira sur l'île de Après, il y aura Jeju-do. l'aventure Pour ceux qui connaissent, Jeju-do. au sud de la Corée. C'est pas le S24, c'est une hein, non, grande île, stabilisation, peut-être, c'est pas comme. le S24 là. Bah, Comme, donc, d'accord, on comme que... ça. Un On n'a putain de. pas passé le Tain, jeu. tain. Attends, déjà j'allume. Et après voilà. j'appuie. Donc là, on a fait un petit footing. On va passer vite, ça sert à rien. On va courir, je raconte. Je lui ai mis de la musique. C'est ce que je vais dire. Mais salut. Là, on a éclaté là. Là, on a couru, on a éclaté. Ah, ça allumait là. On a bien couru. Bien. Ça calme. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Carrément. Là, il est 5h. S'entraîner pour Jeju, donc ouais, là c'est ça ça. va être rentrage à la maison, douchage, changeage et ressortir pour partage.
la plus blindée, tu peux pas en fait. Non, c'est pas possible. Et si on peut beaucoup plus blinder que ça, c'est possible. Là, je crois qu'on est à fond. L'évolution GoPro 480 à Samsung S24. Fond de feu. Ça fait se faire couper en deux avec la porte. C'est pas possible. Ça fait du bien de faire une petite pause à la maison. Et là, on va aller en direction de Xintiandi. Xintiandi, c'est le quartier où on était l'autre soir avec la fille là qu'elle nous avait amené dans le quartier, donc où il y a des bars et pas mal de gens normalement. Donc là, c'est l'heure du repas. On va déjà aller faire un petit tour dans ce quartier, voir si on peut manger quelque chose. C'est joli. Nous voilà à Xintiandi. Très bien. Bon, ben voilà, on va se trouver un petit resto. Je vous amène avec moi pour visiter le coin. On a trouvé. Là en fait on va dans un quartier chic et tout et on va essayer de se trouver un resto comme ça et on va se trouver une petite ancienne japonaise et ça va être rigolo. C'est tout à fait ça. Ouais. On a déjà plus d'occidentaux là. Il y en a partout. En fait là-haut. Ouais, là-haut c'est des restos, t'as vu? Non, c'est des cafés. Non, là-haut il y a un resto, là-haut aussi c'est un resto. Et en bas, c'est les cafés, les bars. Eh. Eh. Tu dirais que Shanghai c'est plus propre que donc Paris. Forcément il y aura des trucs à manger. Comme c'est cher. Oh putain! Ah oui, comme ils sont plats. Ouais, parce qu'on est français. Pour ça, décrevitons. Là, ce quartier c'était très très cher, donc en fait, on s'est dit, bien, on va passer un moment dans le quartier. Et on a vu que c'était vraiment du bling bling et on a bifurqué. On est blindé. Deux crevettes, 200 yuan. Ouais, ouais, on a Chanel, donc ici. C'est vrai que l'immeuble est joli. Bon, on continue un petit peu là-bas. Il me tue Rick avec ses expressions. Allez, on continue là-bas. Même les flics, ils ont la place, t'as vu? Ouais. 688 yuan, ce qui nous fait à peu près 80 euros. Ah ouais! Ah ouais, mais t'as des trucs. Hein? Bah, c'est un truc pour touristes en même temps. Hein. Alors, mais taille, c'est bon, mais ça arrache trop la bouche, c'est pas possible. Vous voyez? Lui, il a réussi en affaire. Une Skyline GTR qui déboîte. Voilà, je l'ai filmé, je lui ai fait plaisir au mec. Et je m'en fous. Parce que je sais qu'il y en a qui suivent les vidéos, qui kiffent les voitures, qui m'a dit ouais, filme-nous des voitures s'il te plaît. Donc, petit gift. Youpi. À droite là. Oui, on va voir. Voilà, on va venir manger des pizzas. Ou deux crevettes. Quoi? Attends, un hamburger. Allez, on va regarder là. Et là, Kuya. Et là, on va manger à Kuya. En fait, un petit resto qui payait pas de mine dans un angle. Ça avait l'air japonais, comme vous savez, on n'a pas de GPS, on regarde pas sur internet et tout, on voit une enseigne écrit Kuya, ça a l'air d'être japonais, on se dit vas-y on rentre. Voilà, c'est l'aventure les amis. Là c'est l'aventure, puisqu'on va dans un resto où il n'y aura pas d'image pour choisir, donc ça va être freestyle. Là ça va être marrant. Allez. J'ai absolument aucune idée de ce que j'ai commandé, donc ça va être bien rigolo. On va voir ça dans quelques minutes, n'est-ce pas? Bon, donc toi t'as commandé. Et là en fait le menu, c'était juste un truc avec écrit plein de chinois, du japonais, je me rappelle plus, parce qu'on est dans un resto japonais. Et donc il y avait absolument pas d'image, donc on comprenait absolument rien, pas de traducteur, rien du tout là. Et donc on a dit ça. Mais vraiment pif! Au pif, vraiment, on savait pas si c'était une entrée, on savait pas ce que c'était, donc là c'est très rigolo de faire ça. On a une salade, c'est une salade, voilà. Et moi j'ai commandé des brochettes, c'est bien. À quoi? Celle-là, on va diviser. Ah, en tout cas, j'ai oublié, je vous souhaite un très bon appétit pour ce soir. Nous, en tout cas, ta voix au micro est trop basse par rapport à la vidéo. Attendez, audio du bureau, ah bah oui, c'est pas normal ça. Blablabla. Audio du bureau. Attendez. Blablabla. Eh oui, vous m'avez pas dit. Vous m'avez pas dit qu'il y avait un problème de réglage. Là, on est bien normalement. Vous m'avez pas dit. Je tape tout le début du vlog là, du live avec un son pourrave. Pourquoi c'est. Non, là, c'est bien là, non? Là, vous m'entendez bien. Ça sature pas, on est bien. Parce que j'ai déjà baissé le. Attendez, j'ai peut-être fait une bêtise. Attendez. Je fais une bêtise? Non, j'ai pas fait de bêtise. Là, normalement, on est bien. Eh oui! On m'avait pas dit! Bon, on entendait pas si mal. De fou. Merci, c'est bien maintenant. Et voilà! Vous êtes je sais pas combien, y'a personne qui dit!
T'avais une voix d'hôtesse. Non mais voilà, ça passait crème aussi. Alors. Non mais là voilà, on est mieux là. Le son était des... je sais pas pourquoi il était descendu dans ce logiciel que je vais pas insulter là, hein. C'est mieux. Bah bien sûr que c'est bien. Je vois, j'avais moins 7 dB. Vous devez rien entendre comparé à la vidéo. Ça devait être horrible, inaudible, scandaleux. Comment c'est possible? On a fait combien de minutes là? 20 minutes avec un son exécrable. Je suis outré. C'est OBS? Mais oui, le son était descendu là. Je sais pas pourquoi il était descendu. J'avais pas vu, j'ai lancé comme ça trop vite. Mais c'est bien maintenant. Mais bien sûr, c'est bien mieux maintenant. Vous pouvez entendre cette voix voluptueuse qui vous accompagne et qui va vous faire glisser dans ces épisodes de Shanghai. Allez, c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on a commandé? Des brochettes. Et de la salade. C'est bien marrant, on rigole bien depuis tout à l'heure. Ouais. Et voilà, on va attendre, il y a d'autres trucs qui vont arriver après encore, c'est suspense. Alors vas-y goûte, tu vas voir comme il déboîte. Si t'en dis pas plus, t'as un poisson, vas-y, c'était des impressions en direct, à la caméra, vu par des millions de téléspectateurs. Oui, c'était un izakaya, il me semble. Enfin, une sorte de izakaya, ouais. On peut boire et manger un truc à japonais. Eh, on a un bol de riz, sympa là. Ouais. Des boîtes saras. Ouais. Et on avait un très bon poisson. Ouais, très 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 bon. Très très bon. Fais gaffe, elle les arrête. Ouais. Ça, après, ça, là. Bah, ça a l'air bon. Une petite brochette. On dirait un farci. Un poivron et de la viande dedans. D'accord, allez. Bon, bah, on est en train de manger tranquillement. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter Happy Birthday. Donc, nous, on a normalement accompagné en chantant Happy Birthday de Flinker. Ouais. Et du coup, ils nous ont appelé. Ils ont dit venez à la table. Et là, ils viennent de nous offrir. Deux pintes de bière et du gâteau. Et du gâteau. Bon là on a un peu discuté, ils parlent tous anglais là-bas, il y en a même une qui parle français. Elle est... What is your name? My name is Sakurako. Sakurako. Yes. Mm. Elle parle très bien anglais. Et elle est japonaise. Sakurako. Voilà. On va trouver un super resto. Et voilà, ça y est, une journée de plus de terminer les amis, ça fait déjà 18 jours qu'on est sur Shanghai. 18 jours encore sur Shanghai, encore une très bonne journée avec la petite sortie au parc et des bonnes rencontres en fin de journée dans le restaurant. On a pris quelques contacts, donc c'est très très bien. Salut. Video. Video. Yes. Oh, I like video. I like a video. Yeah. I like an H video. Come on, come on, come on. Go, 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 go. Alors. C'est quand le retour des vlogs voyage avec Rick. Il y en aura, il y en aura, il y en aura. Il y en aura. Hop. Hop, 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 nouvelle vidéo, les amis. La fin du bloc qui déboule de nulle part. Mais c'est comme ça. Les transitions, ça n'existe pas à l'époque. Il n'y a pas de transition. C'est parti. Alors. On en était où? On en était où? Il faut que j'aille à un autre endroit parce que c'est les dernières que j'ai téléchargées. Et là, on va passer. Vous vous rappelez? J'ai cru tremblement de terre, c'était comment? Ah oui, tremblement de terre à Taïwan. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu dans les news. Salut! Et là, on va aller dans... Vous vous rappelez, on avait rencontré dans le métro une fille l'autre soir, dans les vlogs à Shanghai. Pas trop tout de suite, mais tout est ok, merci. Et cette fille, en fait, on était resté en contact, elle nous invite à un événement. On ne sait pas ce que c'est. Salut à tous pour ce 19e jour de Shanghai. J'espère que vous allez bien et si ça va très très bien, après une bonne nuit. Alors, je ne me rappelle plus toute cette vidéo, je sais juste que ça va être un peu la folie parce qu'on va faire plein de rencontres et qui vont influencer la suite du parcours. Et du coup, bah voilà, suivez-moi dans cette vidéo que je ne me rappelle plus du tout ce qui va se passer. Sommeil, ça va nous hier, comme vous avez vu, vous êtes nombreux à commenter aussi la vidéo. Donc dans c'est la haute sphère de Shanghai. Il pleut. Mais c'est pas grave. Là-bas, faut la laisser pousser. Oh, Manu!
Manu, il y a Manu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur les lives. Manu, qui nous accompagne toujours en trio avec Jules, là, Cambodge, Inde. C'est Manu, pareil, qui est en voyage abonné. On s'est rencontrés comme ça, Manu. On va rejoindre, là, on va déjà manger. Et vous rappelez, l'autre jour, dans le métro, on avait rencontré une femme, on avait papoté un peu en anglais. Bah là, après manger, on va aller la rejoindre. Là, on arrive pile poil au moment où c'est plein, voilà, à midi 20. C'est le pic où il y a même des gens qui attendent devant nous. Ouf. Oh, il y a trop de bruit de bon matin du midi là. Ah, la petite musique. Toujours notre petit âge, c'était quoi, avec du riz? Moi, j'ai tout on a rendez-vous à cette station. Sans pas plus de précision. Et c'est vrai qu'on a rendez-vous là, on n'a pas internet, rien du tout, la station est énorme. On va s'asseoir là et on va attendre. Et je crois qu'elle attendait pas la même sorte, enfin je me rappelle plus. On avait attendu longtemps, je me rappelle. C'est génial parce qu'en fait, t'as plusieurs stations. Et c'est pas les mêmes suivant la ligne que t'arrives. C'est-à-dire là, c'est Jingan Temple, si t'arrives par la ligne 7. Là où Rick attend, c'est Jingan Temple si t'arrives par la ligne 2. C'est super pratique quand tu veux trouver quelqu'un. Bah le truc c'est qu'on n'a pas de forfait téléphonique, mais sinon... Les clochards. Enfin, t'écris et puis voilà, c'est réglé. Sinon, quand t'as un rendez-vous comme ça, bah... Ah ouais, non, c'est pas permis de galérer comme ça. Donc là, on va au Starbucks pour avoir le net. Ah oui, du coup, on l'avait pas trouvé, oui, on avait attendu, on l'avait pas trouvé. Carrément. Pour pouvoir la contacter, parce que... Bon, alors, mission du jour, c'est indispensable, en fait, dans cette ville, au bout d'un moment, c'est de prendre une carte SIM pour pouvoir avoir Internet, au moins, et un petit forfait sur le téléphone, pour pouvoir contacter des gens quand on leur donne rendez-vous, c'est mieux. On est donc dans un Donut King. Donald King, bienvenue à Sydney. 1981. Ouais, on est venu là pour avoir le wifi connexion pour pouvoir contacter notre amie. C'est bon, on a réussi à la contacter. Elle arrive, donc on va passer le début d'après avec elle. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Très bien. Donc après une petite heure de. Elle était adorable cette fille. Je sais pas si t'as toujours le contact, Rick. Elle était vraiment gentille. Hein. Décalage, il est 15h maintenant. On a réussi à rejoindre. Your name is Chelsea. Donc elle est très très gentille, elle va nous accompagner à acheter tout de suite une carte. China Mobile. C'est bon. Yes. Elle était vraiment très très intelligente, très très, très, très cultivée. 1 giga? 1 gigabyte. Je décide d'en prendre un forfait téléphonique. Je sais pas. Très bien. Donc en fait on a pris le forfait. Il est 4h et normalement on va rejoindre une copine à elle. Qui tient une exhibition d'un truc, de bijoux. De bijoux. Les gars ils sont perdus. Très bien, donc là on est arrivé devant un bel immeuble. Un bel immeuble qui vient d'être restauré, elle m'a dit. Où dedans va y avoir des galeries, je sais pas quoi. Des exhibitions, voilà c'est ça. Des exhibitions. Du coup en français c'est des expositions. Interesting, yeah. Alors on se retrouve toujours dans des endroits, comme vous savez, c'est chouette, truc improvisé comme ça. Il a trop mangé ce dragon. Il a trop mangé ce dragon. Ah ouais. Je l'ai toujours en contact, mec, sur WeChat. T'as un barjo, t'as tout gardé, excellent. Qu'est-ce que c'est ça? Donc je vous présente. Vous voyez la Chine, n'est-ce pas? C'est un bâtiment russe, c'est bon. Oui. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait d'endroit comme ça. En vrai. Quel holo de belles expériences, je te jure. Tous les jours, c'est la surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est Capitalia. Ni hao. Vous avez entendu le petit ni hao? Mathieu, les gars. En fait, c'est des bijoux en jade, là. Mm-hmm. C'est son ami qui tient le stand. Tu sais qu'avec les années, tu as toujours les mêmes humours. Ni 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 ni. Oh, alors ça, c'est un tampon de bonhomme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je comprends toujours pas comment une fille rencontrée dans le métro peut t'inviter comme ça au calme. Je comprends pas non plus. Mais non, mais c'est parce que regarde, on avait des looks de stars à l'époque. Là, regarde Rick avec sa coupe de cheveux. Elle savait pas on était deux clodos. Ça dit, ouais, ils sont là, ils voyagent. Lui, il fait des vidéos. Lui, c'est un DJ. Il a une coupe de cheveux de star. Ouais, ouais, ouais. Tu as écrit ton nom. Mais mec, on n'est pas très fan des expos et de l'art. Et ça se voit. Si, écoute.
T'as pas eu peur qu'elle vous fasse débourser un ox? Non, 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 jamais, jamais. Pas avec elle. Non, non, ça se voyait que c'était une fille intéressante, tu vois, qui est vraiment cultivée, tout ça. Jamais, jamais. Au fond, et après tu mets ça par-dessus. And, you put your name there. Yes. For signature. It's a signature. A signature. Alors, à l'aventure avec moi, les amis. Les escrocs, je te jure. Là, on quitte cette exposition. Et on va, je sais pas où. Là, on va aller à une soirée privée, défiler, c'est n'importe quoi. Hein? Parfait là. J'ai effectivement voilà. Utilisé mon charme. Et Eric, il est très très fort pour ça. Mec, envoie-lui un message pour savoir ce qu'elle est devenue. Pour savoir si elle est toujours à Shanghai et tout. Vas-y, envoie-lui un message, s'il te plaît, tu nous diras dans le prochain live. Mec, on est petits fours et tout, nous on était en mode clodo et on arrivait là, on se faisait waouh, c'est bon. Enfin, on est quand même bien éduqués, tu vois, mais je veux dire, on sait pas ce qu'on fout là, quoi. Et c'est trop bien. Bon bah très bien, voilà. Vas-y, je l'envoie maintenant. Super, super. J'adore les buffets. Et cette serveuse qu'on re-rencontrera par la suite. Voilà, on est comme ça. Très bien, voilà. Nous on est français, on prend du vin. Voilà, c'est vin rouge. À la bonne. Regardez-moi ces deux escrocs. Tout le monde est habillé classe, moi j'ai mes vues. Moi je suis pas rasé, j'ai mon truc de randonnée là. What? Video camera, GoPro. Oh. You know? Yeah, yeah. Ah, ok. Quand j'ai taxé un truc en douceur. Eh bien là mec. On va rencontrer tout le monde sur cette vidéo. Regarde Eric dans son salon là. Ça va. Il parle un peu fort. T'as dit quoi? Un tiramisu. C'est un tiramisu. C'est un tiramisu. Non mais bon, attends. C'est joli. Regardez. Les imposteurs de ouf rient dans un salon privé. Donc là on va chercher le buffet et on va vraiment manger ici. Pourquoi on a le salon privé au fait, c'est vrai ça? Top départ, allez c'est parti. Je lui fais peur devant. Bon, qui nous parlait ça quand même. Oh, l'espace de 2 secondes chrono, il n'y avait plus rien. Wow, il n'y a plus rien. Ah, moi, j'y ai plus pour les autres. Hein. T'as entendu le. Et moi, j'ai pris pour les autres. Hein. Genre, j'en ai trop pris, mais c'est pas que pour moi. Hein. Non, moi, je suis un mec comme ça, je pense au partage. J'ai pris pour tout le monde. Mais on était tellement détendus, mais. Pff. Regardez mon assiette. À rigueur, Rick il passait avec son style, mais toi ici ta tenue c'était hors sujet, mais complètement. Et moi je. Regardez son assiette. Mais c'est parce qu'elle a pas l'expérience, elle nous des buffets comme ça, on avait déjà fait en Australie et tout, on savait comment ça se passait. Salut Evan, c'est Evan qui passe vous faire un coucou. T'as rapide toi, t'es pas. T'as pris que ça. Bah attends. Quoi? Non mais faut pas plaisanter avec la nourriture aussi. Faut pas plaisanter, hein, c'est important de manger. Tu veux quoi? Tiens, prends un saumon. Tu veux un saumon? Non. Bon appétit. Bon appétit. Perfect. Oh, elle dit bien. Qu'est-ce que j'ai à présenter à mes amis qui là, nous c'est, suivent? C'est un défilé en fait. Un défilé, Mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais même là avec 10 ans de recul, je me dis mais... On était complètement déconnectés, quoi. De le... l'ingénierie. Le même bruit qu'il a rigolé. Putain. C'est ça? Défilé de l'ingénierie, en fait? Bah, défilé, je sais pas. Non, non, mais je suis défilé. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Il y a un mec qui est passé, on a lâché. Non, mais ça va pas du tout, on s'attendait pas à ça, nous. Ah ok. Ton assiette à côté des autres, mais c'est l'expérience Kevin. En fait c'est pour montrer les bijoux qu'il y avait. Pour faire un défilé des bijoux qu'on a vu tout à l'heure. Ah c'est un défilé des bijoux. Ouais, c'est ouais, trop grande. Trop grande. Et là on va rencontrer Lisa.
qui parle français qu'on reverra plusieurs fois aussi. C'est n'importe quoi cette soirée. Cher Laurent, tu me manques. Je suis là, Eden. Je suis là. Wow. Again. On passe une très bonne soirée. Oh la nonchalance du mec. Écoutez, on passe une très bonne soirée en train de manger dans un endroit où il sait même pas ce qu'il fout là. Bon là on a tout enchaîné, le vin, le champagne. Hein? On a plus non, je l'ai repas. Ah, salut. Qu'est-ce qu'on fout? C'est un magicien. C'est très joli. Ah, il y a le magicien qu'on reverra. Non, je sais pas si on verra, mais t'es resté en contact avec lui. Et enfin, il était fort ce mec, il était très fort. On a eu un tour de magie comme ça. Mais qu'est-ce que... Elisa qui nous sort là tranquille, qu'elle part français. Voilà. Au calme. Mm-hmm. Ah. Et comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lisa. Lisa? Enchantée, merci. Enchantée. Lisa? Ouais, Lisa. Lisa. Et ton prénom chinois? Mon prénom chinois est Xing. Xing? Oui. Enchantée. Enchantée. Et toi? Laurent. C'est bien. Ouais, juste de l'eau là, ça suffit là. Je l'apprends par les Français. Hein? Ah, c'est Eric qui fait ça. Ah, Eric, il a pris la caméra pour Lisa là. Non, en français. Messieurs, dames. Madame et monsieur. Très bien. Madame et monsieur. Attention. C'est un spectacle. Ok. Pourquoi? Vas-y, c'est très bien, c'est très bien. Show is on. Waouh! Hey, ni. C'est vrai qu'elle a bien fait, même là j'ai pas compris. Coucou! Oh les petits chiens! C'est trop mignon! T'as vu comme c'est beau? Regarde! Des petits chihuahuas! Je suis le coton! Je fais le cochon! Le petit truc du soir? Oui! Rick en mode drague! Ah ouais, non mais Lisa aussi elle était très jolie! Salut Matt. Bon, je sais pas si je voulais, j'aurais déjà montré, j'aurais pas montré. Si, c'était mon petit. Je prenais ces petits trucs là, espèce de petit toast avec de la confiture dedans. C'est mon petit truc du soir à Shanghai quand je faisais le montage vidéo. C'est bien. Tarte ça. De sandwich, pain de mie. Ouais. Avec de la confiture dedans. Voilà. Oh là, je suis éclaté là. Voilà. Avec ça. Ça, c'est un espèce de. Je sais pas, j'ai jamais pris ça, c'est toi qui prends ça. C'est du gâteau avec de la poire. C'est de la pomme. Ouais. De la pomme, pardon. De la pomme. Ichie. Yes. Ichie. Exactement. Pareil. Écoutez les amis, j'en ai plein de surprises. C'était la folie. On s'est levé ce matin, on savait pas ce qu'on allait faire le jour même, à part voir notre amie. Du coup, elle nous a baladé dans des trucs. Tu as une chaîne Twitch? Non, j'ai pas de chaîne Twitch. Je fais juste mes petits lives comme ça là sur YouTube pour revoir les anciennes vidéos. Pas de chaîne Twitch, surtout que Twitch maintenant ça n'existe plus en Corée, donc voilà, j'avais jamais prévu en faire une de toute façon, mais voilà, il n'y a plus de Twitch en Corée. Donc assez exceptionnel, improbable. Improbable, donc c'était vraiment... Attention, qu'est-ce que ça va être le bêtisier? Vous savez, je mets toujours une petite séquence là, dans cette saison à Shanghai, je l'ai tout le temps fait, à la fin de la vidéo, je mets toujours une petite séquence, je sais pas ce que je vais mettre là, parce que c'est un truc... What the fuck, c'est... Non, mais cette vidéo, c'est n'importe quoi, enfin cette journée, c'est n'importe quoi. Bien, on a pu avoir encore plus de contacts aujourd'hui, donc vraiment une très très bonne journée. Mmh. Voilà, 19ème tour de Shanghai terminé. Il est tard, donc C'est ça qui était bien dans ces voyages où on partait en fait pas pour visiter, mais on partait vraiment pour se poser un mois ou deux mois dans une ville, dans une seule ville, pas de partir dans le pays ou quoi, juste dans une seule ville, pour essayer d'y vivre en fait, essayer de vivre, rencontrer des gens et rencontrer des nouveaux cercles, tout ça. Et c'était une expérience vraiment différente que ce qu'on peut, j'ai pu faire dans la suite et ce qu'on fait en général quand on voyage, c'est qu'on va juste machin. Mais à cette époque, comme je vous ai dit, je voyageais vraiment pour trouver un nouvel endroit pour vivre, donc on voyageait pas dans un endroit pour viens en visite, on voyageait pour se poser là et
prendre l'atmosphère sur place, comment c'est, tu vois. Et c'est ça qui est super cool dans ces vidéos, c'est que c'est vraiment une expérience que, bah, que, qu'on peut pas être amené à faire tout le temps et n'importe quand, donc c'était cool. C'était cool de se poser dans un seul endroit comme ça pour vivre ça. Je vais vous laisser tout de suite et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'ai peur, je sais pas ce que j'ai mis en bonus. Putain, ça... Pourquoi tu avais choisi l'Asie? Parce que j'adorais l'Asie. Enfin, au départ, j'étais parti pour l'Australie. Et en Australie, on a vu qu'on avait des potes chinois, des potes coréens, des potes japonais. On s'est dit, mais en fait, ouais. Et du coup, après, ça a bifurqué tout seul sur l'Asie. Mais c'était pas parti sur l'Asie. Salut les amis. Asa-bisa. C'est bon, t'as conclu? Ouais, bientôt. Ouais, une star, mec. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi, Rick, ça? Pourquoi il y avait une fille qui était sur tes genoux? C'est... Je me rappelle même plus de elle, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était... Je suis trop fort, mec, t'es trop fort, mec, t'es trop fort, t'es trop fort, t'es trop fort. Tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes. Il est trop fort, ce Rick, il est trop fort. On est obligé de regarder notre vidéo, on est obligé de regarder le 19, le 20, où on va rencontrer une fille qu'on a justement, la serveuse, vous vous rappelez la serveuse qui était mignonne, là, en tenue traditionnelle? Bah là, en fait, on va la rencontrer. Qui était étudiante quelque part hein, dans une université. Du coup, elle va nous faire visiter son université. N'importe quoi. Et salut à tous. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je te dis, moi. Désolé du retard, le décalage, j'ai raté le créneau. Pas de problème, Fabrice, bienvenue. Tous les gars, les filles aussi. J'espère que vous allez très bien. Nous, on commence. Fabrice qui est à Taïwan en ce moment. Aussi, si vous voulez vous capter, Eric et Fabrice. Fabrice, il est cool, Eric. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. En Corée, donc du coup, Fabrice, Taïwan, Fabrice et Eric, vous pouvez essayer de vous rencontrer. Malik, qu'on a rencontré au Vietnam avec Rick, qui est dans une vidéo vlog. Malik, que vous voyez là dans le chat. Nouvelle journée sur Shanghai, la 20e journée. Vous avez bien kiffé la vidéo d'hier, j'ai vu vos commentaires ce matin, voilà, c'est super cool. Nous aussi, on a bien aimé. Aujourd'hui, réveil carrément difficile, là, j'ai la tête qui va exploser. Je pense que ça ira mieux après, après le petit repas du midi là. Et on continue dans la même lancée cet après-midi, donc on se voit après le repas. Ou pendant. Enfin, on se voit bientôt, tout de suite. Wouah, je suis défait. Allez-moi quand ils amènent le plat. Éclaté. Hey, parce qu'il faut savoir qu'en rentrant, j'ai fait le montage. Donc en rentrant de la vidéo de la soirée, on était sûrement rentré très tard. Et j'ai dû me taper le montage, qui est plusieurs heures de travail avec l'upload et tout. Donc je me suis sûrement couché très très tard. Découvert avec les blocs coréens la première année. Je suis en Australie depuis 5 ans maintenant grâce à Tololo. Incroyable, Pierre. Explosé. Et voilà, il a un peu plus de 14h et nous voilà partis pour... à peu près une heure de métro pour aller dans le sud de Shanghai pour rejoindre une copine. Une heure de métro, ça me fatigue rien que de... Waouh, c'est bâtiment. Donc on descend dans un quartier qu'on connaît pas du tout, qui est le Songjiang University Town. Songjiang University Town. Il y a tout le monde qui descend par là, donc ça doit être un... J'aime les vidéos, le matin c'est 17h. un petit pôle, un petit truc actif. Donc voilà, ça va nous faire un petit coin de Shanghai à visiter, les amis. Je vous amène dans un endroit complètement inconnu. Mmh. Ça sent bon. Ça sent la fraise. Mais non, c'est pas possible. Bah ouais, mais le facteur, il ferait pas ça. Les colis d'Amazon et tout. Tu crois vraiment que le facteur, il viendrait, il déposerait tout là, les gens, ils viennent se chercher leurs colis? Ah, c'est pas possible. Ah, regarde, tu poses là. Bizarre, c'est bizarre. Vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre. On a une gueule d'étudiant là, non? Non, ça le fait? Oui. Pas vraiment. Oui, si. Je suis. Donc on a rejoint notre ami et en fait, quand on était sur la route en taxi, on a vu un temple en passant qui avait l'air super sympa, donc on lui a demandé. Elle connaît le temple, elle y est jamais allée, donc on va y aller ensemble avant que ça ferme, parce que là il est déjà presque 4 heures. Il laisse effectivement. Après, incroyable. On fera visiter l'université. Donc très très bien. What is your name? Wow. Hi, my name is Fiona. Fiona. And your And Chinese my name? My Chinese name is Innuo. Innuo. Yeah. Perfect. Nice to meet you. Ah ouais, ok, en fait c'est un énorme campus.
Et là, bah, c'est la partie où il y a les terrains de foot, terrains de basket et tout. Il y a plein de jeunes qui sont en train de jouer. C'est cool. On trouve un endroit sympa là. En fait, l'université, elle est vraiment énorme parce que là, on vient de tout là-bas. Ouais, là, c'est un campus. Puis là, ça continue tout là. Mais... Nabil Absi, il est là aussi avec le compte à Peggy. C'est très très grand. Et une copine. Ricky n'arrête pas. Le réarmement. Non mais Rick, c'est une machine. C'est notre copine qui nous a rejoint. Il a trop de charme. Insupportable ce Rick. Yes. Il m'a demandé si je voulais lire du chinois. Bien sûr. Là, c'est la librairie. Elle est énorme cette université. C'est énorme. Par contre, on n'arrivera jamais au temple si on continue à marcher à cette vitesse. Faut leur dire. C'est très bien. Bah écoutez, petite promenade calme pour un bon dimanche. Là-bas, ça a l'air super joli, les petites maisons rouges là. Je crois que c'est le temple. Ouais, un cosplay. Wow. Ouais. Très très beau ce mur, les amis. Sûrement qu'en soleil ça rendra encore mieux. Mais c'est quand même super dimanche. C'est très agréable. Si c'est pas un romantique, c'est Rick. Ah non, mais c'est un nom. Érable. Maipo. Maipo. The flag of Canada. C'est ça. Ah, yeah. Right. Le drapeau du Canada. Yes. Maipo. D'accord, ils sont en train de construire une sorte de petit complexe là avec des bâtiments sympas. Ça sera sûrement un petit truc touristique par la suite. Mais vous pourrez pas le voir maintenant, c'est en construction. Plus tard. Une Peugeot 307. Qu'est-ce que c'est que ça? À Shanghai. Écrit en chinois. Celui-là de mieux. Ça rend une belle photo quoi. Franchement, pas mal. Non, pas mal. Il fait gris et tout. Je sais pas si on les a. Oh le tracteur! Une liquide de refroidissement. Siège en pelouse. Que des passes décisives. Ça y est, on a fini le petit village. C'était super sympa. On a passé un bon moment, c'est bien promené. C'était cool, on a pu papoter encore pas mal. Militaire et charmeur. Et là du coup, on va aller à l'université. On fera un petit tour dans l'université. Et puis là, elles vont nous amener manger, je sais pas où. Elle disait juste Maple en anglais. Ah ouais? Pourquoi ça s'appelle Maple? It's China University of Political Science and Law. Yes. Oui. C'est l'université de Chine de politique, de sciences science. Et de loi. What? Sciences, politique et loi. Il y a même un petit lac et tout. Il faut une saison, le gars. Mais on revient, mais on va bien sûr. Là, normalement, en avril, j'avais prévu de faire un petit saut à Taïwan pour voir Rick. Je me suis dit, ah, vas-y, ça va faire une petite surprise et tout, 2-3 jours. Mais pff, c'était dur à caler dans le planning et surtout c'était cher là si je m'y prenais là maintenant. Je pensais que les vols, bah, vous savez, ça a augmenté de ouf et du coup ça faisait un prix, ça faisait monter et tout machin. Bah bref, ça s'est pas fait. Mais pour faire un petit saut, je le ferai. On se verra avec Rick cette année. On se verra avec Rick. Un campus à l'américaine quoi. Hein, Rick, ça voit cette année. Ça fait longtemps là. C'est super cool. Donc ça. C'est scandaleux ce que j'ai dit là. C'est vraiment innocent, tu vois, mais puis il n'y a rien de méchant, mais c'est tellement bizarre. C'est un campus à l'américaine, sauf que là, c'est chinois. Ou j'ai dit c'est des chinois, je sais pas ce que j'ai dit. C'est tellement nul. Plus à l'américaine, quoi. Sauf que là, c'est des chinois. Plus à l'américaine. Il y a même un petit lac et tout. Plein de bâtiments. C'est un campus à l'américaine, quoi. Sauf que là, c'est des chinois. Je suis super sérieux. Donc ça en fait c'est les dortoirs. On arrive n'importe quoi. Il y en a plein derrière. Là où tous les étudiants ils dorment. Oui c'est le dortoir. Il y a plein de bâtiments. Ils dorment. Encore perdu aujourd'hui. Juste après les dortoirs, elle nous amène en fait dans la rue où tous les jeunes vont là pour manger une petite rue vachement animée. Une petite rue animée, voilà. Toujours à côté d'université en fait en Corée, c'est foutu pareil, t'as les grandes universités. En plus à l'américaine aussi en Corée. Et t'allais toujours des rues animées à côté parce que les étudiants, bah voilà, c'est très actif. Voilà. Ah, il y a plein de jeunes. C'est par là. C'est par là. C'est l'université en Corée. Donc là, nous voilà dans un restaurant japonais. Oui, encore japonais. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on préférait, bah on adore. Non, mais c'était pas que j'avais, c'était juste que ma phrase elle était nulle, c'est tout. Du coup, ça m'a fait rire. Manger japonais. Ils font de la très bonne bouffe les japonais.
Si on peut manger japonais, on mange japonais. Sauf que là, on est dans un quartier universitaire, donc il n'y a pas du tout de touristes. Donc là, si on veut choisir les menus, ça correspond pas avec les photos ou quoi. Voilà. Donc elle nous traduit et tout, puis elle commande avec nous en chinois. Ça va être des sushis ce soir. Sushis ce soir, c'est dur à dire des sushis ce soir. Et nous, on a quand même pris du riz en plus avec une bonne assiette de riz, parce qu'il faut qu'on mange. Ah ouais. Right. Waouh, vous avez vu cela comme il déboit. Ils sont mignons ces sushis. On vient de terminer de manger, c'était très très bon. Et là donc on va l'accompagner, elle va en fait réviser une pièce de théâtre qu'elle fait avec... Regardez-le Suric, pendant que moi je fais mon vlog là, regardez-le un petit peu là. Nos amis à elle par rapport à l'université et tout. Donc on va l'accompagner, on va regarder un petit peu ce qu'elle fait là-bas et tout. Let's go. Ah, sympa cet endroit là. On va là dans un street food. Franquette, oh. C'est la franquette là. C'est stylé comme endroit. Ni hao. Et du coup, on l'accompagne dans une répétition de spectacle qu'elle va faire de théâtre. Une chose est sûre, c'est. Okay. My name is Vincent. You can call me. So, what's your name? Rick Lawrence. Le Gigachad. My name is Lawrence. En 4K flagrant délire. Flagment délire. Nice to meet you. Il y en a un qui tient la caméra et l'autre qui s'occupe des invités. Je te jure. Qu'est-ce qu'on fout là encore, tu vois? C'est vraiment de la bombe le taxi ici. À Shanghai, déjà ça coûte rien. Là, on vient de prendre le taxi, il fait nuit. Ça nous a coûté moins de 2 euros pour rejoindre le métro. Et en plus, comme il conduit, c'est énorme. Les feux rouges ça n'existe pas, il va à 2000. C'est super. Ni hao. Vidéo caméra. Comment? Ah mais là je suis d'accord avec toi. Non mais là autant des fois bon il faut pas trop le dire mais là je dois le dire quand même. Quoi ce métro c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Regarde il est par terre. Hey Shanghai est une ville. Regardez. Très propre. Eh oui. Des caméras partout, le plafond, toutes les lumières marchent. Ouais, c'est important. Les écrans, il y a pas un seul. Salut Mickaël. Pas un seul tag. Donc voilà, journée très très agréable, on vient de regarder la petite vidéo, donc là on... Qu'est-ce que ça va être le bonus encore? C'est ça qui est bon, je me suis retrouvé dans des endroits complètement hors du temps et de la réalité. Ouais, non, mais carrément. Magnifique le sol. C'est sûrement en Shanghai que t'as été le mieux reçu par les locaux et ils t'ont emmené dans des lieux improbables. Non, mais je le dis depuis le début, hein. On a adoré notre expérience à Shanghai avec Rick, hein. Franchement, on a adoré cette saison à Shanghai. Pour nous, ça a été vraiment révélateur de plein de choses. Et C'est le petit out. Bah pour vous dire qu'on a passé une très bonne journée, c'était un dimanche somme toute reposant. Somme toute. Somme toute. Tout à fait, somme toute. Très bien. Parce que des fois c'est important de se reposer. Très bien. Oui. Et voilà, donc il nous reste une dizaine de jours sur Shanghai, on va encore bien profiter. Voilà, plein de choses à faire encore. Voilà, je vois tous vos commentaires, je vois que vous kiffez grave aussi comme nous. Donc voilà, je suis... J'ai pas compris, comment ça se fait que c'est la première fois que tu revois ces vidéos alors qu'on les a déjà revues 2 ou 3 fois? Moi, c'est la première fois que je les revois en 10 ans. Là. Toi, si tu les as regardés plusieurs fois, c'est possible. Mais moi, c'est la première. Après les avoir mis en ligne, je ne les ai jamais re-regardés. Je suis très, très content que ça vous plaise. Et voilà, les amis. On continue l'aventure demain. Improvisation, comme d'habitude. Total. Total. Et je vous souhaite une très bonne... Qu'est-ce que ça va être le bonus? Ça me fait peur à chaque fois de ce que j'ai mis en bonus. Bonne soirée et je vous dis salut. Hasta la vista! Ah, c'était le mec du Seven, je me rappelle. It's rough. Wow. Good? La petite pause de manger du soir. Eh oui. Une super ambiance, ils étaient franchement les locaux étaient trop gentils quoi. Franchement c'était trop bien Shanghai. J'ai envie d'aller retourner en Chine là, je vous le dis à chaque fois. Pourquoi tu les avais jamais revus? Parce que j'étais toujours dans un rythme de folie. De toujours faire des nouvelles vidéos en fait, j'avais toujours des nouvelles et puis je me suis jamais pris le temps de me poser pour le faire et ça m'a toujours trotté dans la tête de les re-regarder en fait en live après un long moment, je voulais vraiment les avoir oubliés pour les re-regarder et là bah, ça fait 10 ans, j'ai vraiment oublié ce qui se passait dans les vidéos et je connais
les grandes lignes, tu vois, mais je sais plus du tout comment la vidéo fonctionne. Là, par exemple, demain, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, qui on va rencontrer, comment on va les rencontrer. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc j'attendais vraiment pour pouvoir les revoir. Et ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien de les regarder comme ça, avec vraiment un gros temps de différence, parce que j'ai tout oublié. Oh, la vidéo d'après, c'est sympa, on va rencontrer Lisa. Mais ça, vous le verrez la semaine prochaine, les amis. La semaine prochaine, rendez-vous avec Lisa. Je pense que le Shanghai de maintenant doit bien changer depuis 10 ans. Comment sens-tu de revoir ça 10 ans après Lolo? Ben, je me dis que c'était... que ça a été la meilleure décision de ma vie et de notre vie avec Rick de faire ça, parce qu'on l'a fait à cette époque, et c'est vrai qu'on l'a fait à une époque où maintenant ça serait plus possible. Avec Rick, on pourrait pas repartir, maintenant qu'on a moi ma vie en Corée, lui à Taïwan, on pourrait pas repartir un mois quelque part, se poser, voilà, un mois comme ça, faire toutes ces rencontres, bah déjà parce qu'on est en couple, parce que, enfin voilà, parce qu'il y a plein de choses, parce qu'on a des situations professionnelles maintenant qu'on doit entretenir, tout ça, alors qu'avant on était vraiment free, tu vois. Et c'est ce que j'avais dit à Rick quand on est parti en Australie. Avant de partir en Australie, Rick, comme vous savez comment ça s'est passé, hein, Rick, je lui ai passé un coup de fil, je lui ai dit, lui il avait son boulot, tout machin, et je lui ai dit, bah viens mec, on part en Australie. Comme ça, il s'y attendait pas, il avait jamais pensé à faire ça. Et même moi, j'avais jamais pensé à faire ça, c'est juste que j'avais un pote qui en revenait et qui m'avait dit c'est trop bien. Voilà. Et moi, ça m'avait fait un déclic, la GoPro qui sortait au moment de ça. J'ai dit bah ouais, si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais en fait. On fera jamais ça. Et du coup, j'ai appelé Rick et je lui ai dit Rick, on vient, on part en Australie. On fait un working de visa, on quitte tout ce qu'on a là, on part en Australie. Et c'est de cette décision, de ce coup de fil. Parce que peut-être que si Eric m'aurait dit non, j'y vais pas et tout, peut-être que moi ça m'aurait retardé, peut-être que j'y serais peut-être pas du tout allé du coup, peut-être tout seul, je sais pas. Mais le fait que Eric il m'ait dit ok, bah tu vois, bah ça nous a entraîné dans le truc. Et une fois qu'on s'était dit ok tous les deux, bah c'était parti, c'était sûr, tu vois. Donc heureusement, merci à toi Eric de m'avoir suivi là-dedans. Et c'est vrai que de la nostalgie, je me dis que c'est fantastique d'avoir vécu ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait, qu'on vit une fois et qu'on peut plus revivre après, quoi. C'est pour ça que pour moi, les saisons les plus marquantes dans ma vie d'expérience, tout ça, ça a vraiment été la saison 1 et la saison 2. Après la saison 3, ça a commencé à être un peu redondant. Et après, on bascule sur une autre formule où là, c'est des voyages, tout ça, c'est du fun, tout ça, machin. Mais vraiment, la saison 1, la saison 2, ça nous a fait vraiment propulser, ça nous a fait grandir, évoluer. C'est vraiment ces deux saisons qui nous ont changé. Après, saison 3, ça a été un peu la même chose. On n'a pas beaucoup évolué parce qu'on avait déjà beaucoup évolué avant. Et donc, c'est vraiment la saison 1 et la saison 2 qui nous ont vraiment changé. Ouais. Et c'était vraiment dans le fait, comme j'ai dit, hein, c'était pas un voyage où... C'est vraiment très profond, en fait. Hein. C'est vraiment très profond ce qui s'est passé, parce que c'est pas... vous savez, j'ai fait beaucoup de voyages. Et beaucoup de gens voyagent, mais pas comme on l'a fait dans la saison 1 et dans la saison 2. La saison 1 et la saison 2, c'était vraiment on partait... pour tout quitter, en fait. On partait pour tout quitter, on se disait, vas-y, viens, on vit là, maintenant. Et voilà, c'était vraiment très différent. C'est vraiment très différent. On se laissait vraiment toutes les portes ouvertes. Et c'était pas, on part, et puis on se disait, on revient en France, on se disait, vas-y, on part, puis s'il se passe quelque chose, ben, peut-être on reste là, tu vois. Voilà. Alors, attends, je relis les messages. Hop, c'est toujours le cas. Je t'attends, Lolo. Mais oui, mais de toute façon, Matt... Georges, je sais pas comment je dois vous appeler. On se verra, je t'ai dit que je passais te voir à Shanghai aussi. Matt Georges, que vous avez vu dans le chat depuis le début, qui vit à Shanghai, je vais passer le voir et vous verrez une vidéo avec lui ou quoi. Et on se verra. Je passerai à Shanghai, c'est sûr. Si c'est pas... J'aimerais bien y passer cette année. Je vais essayer cette année, peut-être cet été ou quoi. Je t'envoie une vidéo sur Insta d'un nouveau lieu de Shanghai. Vas-y, envoie. La Chine m'inspire pas trop, mais Shanghai, oui. J'aimerais bien vivre. Non, mais la Chine, c'est trop bien. Et puis Shanghai, même, c'est trop cool aussi. J'avoue, c'est le meilleur choix de ma vie à ce moment-là. Après 8 ans de vie à Shanghai, je ne veux plus partir d'ici. Non, mais ouais, carrément, c'est trop bien, je te comprends. Je vous comprends trop, c'était la meilleure période pour le faire. Cet appel téléphonique, mec, tout a changé. Incroyable. Attends, hop, incroyable. Les pionniers des vlogs. Quand l'occasion se présente, il ne faut pas hésiter. Merci, poto, c'est beau. Chapeau pour vous, vous avez fait une belle aventure. Vous êtes liés à tout jamais tous les deux suite à cet appel, mais complètement. Une belle complicité, tout à fait. Comment tu connais Guigui? Guigui, bah en fait, lui, il s'est lancé en même moment sur YouTube.
Et je crois que c'est à la saison 3 ou quoi, je sais plus si c'est moi, je crois que c'est moi qui lui ai envoyé un message, parce que j'avais vu ce qu'il faisait. Je lui ai dit, oh, c'est cool, et cool, bah, ça c'est cool qu'on se rencontre. Et puis voilà, puis on est resté en contact, et puis on s'est rencontrés. Je sais pas si on s'est vu tout de suite à la saison 4, ou si on s'était vu avant la saison 4 en France peut-être. Je me rappelle plus, tiens. Peut-être qu'on s'était vu avant la saison 4 en France, dans une convention, ou je sais pas. Meilleure expérience de vie, t'as l'air ému. C'est émouvant de vous entendre penser à ça. C'était inspirant. Un peu ému peut-être, ouais, parce que c'est vrai que c'est un grand moment, tu vois. C'est un grand moment qui a changé toute une vie, tu vois. T'as tout quitté au final, et au final, j'ai tout quitté. Ce qui était cool, c'est que vous ne vous imposiez pas de limite. C'est ça, il n'y avait aucune limite. La relation humaine dans un voyage, c'est la meilleure expérience. Bonjour tout le monde, salut Alex. Je vous laisse, je bouge, j'ai un dîner prévu ce soir. Passe une bonne soirée la team, je t'enverrai un message Rick si tu veux bien. Mais je bouge à Kaohsiung jusqu'au 10 normalement. Certains diront que c'est le destin. Exactement, c'est marrant parce que les gens font l'inverse d'habitude. Aller en vacances quelques semaines puis partir plus longtemps pour s'installer. La décision a-t-elle été difficile à prendre de partir comme ça? Non, ça a été très facile. Ça a été très facile pour moi. Rick, je crois, il a réfléchi une soirée. Et pareil, il m'a rappelé le lendemain. Il dit, ouais, vas-y, go. As-tu déjà été à Hong Kong? Sabine, je peux pas le croire. Je peux pas croire, Sabine, ce que tu me demandes, là. Je peux pas croire que tu me demandes ça, Sabine. C'est la saison 3 à Hong Kong. T'as un classement des capitales asiatiques. Un classement? J'ai pas de classement. En capitale? En capitale, Séoul, Taipei, Ho Chi Minh. Séoul, parce que ah, Séoul, c'est trop bien. Taipei, parce que c'est trop bien aussi. Il y a les night markets, tout ça. Et pour changer, et pour aller dans un autre style, Ho Chi Minh, qui n'est pas la capitale. La capitale, c'est Hanoï, mais je préfère Ho Chi Minh. J'ai pas mis Tokyo. Parce que Tokyo, c'est pas la folie. Je le dis encore. Tokyo, c'est pas la folie. Le Japon, c'est la campagne. La campagne au Japon, c'est extraordinaire. Mais pas Tokyo. Avec celui-ci, à 50-50, la vie, c'est simple comme un coup de fil. Bon appétit. Salut à Lolo. Saison encore. Impatient de retrouver la Corée après le voyage japonais d'il y a 6 ans déjà. Yeah, déjà il y a 6 ans, c'est fou. Tu vas revenir quand? Pour un dingue. Attends, j'ai pas vu pour un dingue. Attends, j'ai pas suivi. Du coup. Oh Yann, c'est trop beau aussi. On parle de capitale, Steve. Ho Chi Minh, j'avoue. C'était bien Ho Chi Minh, Rick. Bonjour à tous, je me souviens de cette fameuse vidéo en convention, c'était les All-Stars, vous étiez tous réunis, c'était incroyable la convention avec Rick, tout ça. Il y avait Rick, il y avait Pandrez, il y avait Guigui, il y avait Lucas, c'était trop bien. Ça te manque les onsen au Japon? Ouais, mais là, fin janvier, j'y suis allé avec ma femme au Japon, j'avais mis des stories là justement, on a fait 3 jours, ce premier voyage avec Jian, première fois qu'il prenait l'avion, on s'est pris 3 hôtels de Barjo, onsen, tout ça, et c'était trop trop bien. 3 nuits au Japon, c'est trop bien. Et dans la campagne, forcément, on n'est pas passé par Tokyo. Comment va ton fils, l'école, ça se passe bien? Yeah, carrément, c'est super la crèche, ça se passe très très bien, il kiffe, il a ses copains, et tous les soirs quand je le récupère, et on passe une heure dehors avec ses autres copains, il y a plein d'air de jeu autour de la maison, vous verrez ça en partie dans la vidéo que je sortirai la semaine prochaine. Et donc, moi, je suis avec toutes les autres mamans. J'ai plein de contacts de maman, les gars, si vous voulez. Non, mais du coup, c'est... Bah non, c'est son maman, quoi. Mais du coup, ouais. du coup, c'est... J'ai tous les copains de Diane, et puis voilà. Quelle saison t'excite le plus à revoir en live? J'ai très envie de... Là, j'ai très envie de continuer à voir la saison 2, et j'ai très envie de voir la saison 4. Parce que, pour moi, la saison 2, c'est le prime. C'est vraiment le best... de saison de contenu qu'on pouvait faire à l'époque avec toutes ces rencontres insolites, de choses insolites. Et la saison 4, parce que pour moi,
C'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est mes vlogs à moi, mais pour moi, les vlogs de la saison 4, c'est les meilleurs vlogs, tout simplement. Avec tout ce qui s'est passé, le combo, on était avec Panda, Hideto, Gigi, Kazu, on fait des trips improvisées dans la même saison, on est dans la neige, on est à la plage, ça part dans des délires. Vraiment, il y a une vibe dans cette saison 4 où justement, c'est la nouvelle saison, on bifurque complètement dans le plutôt côté fun que dans le côté expérience. Et ce côté fun, vraiment, dans cette saison, il va être à son paroxysme avec toutes les rencontres et les choses insolites qu'il va y avoir. Parce qu'il n'y avait pas trop de rail sur cette saison 4. Alors que les autres saisons d'après, elles seront plus sur un rail. Elles seront très bien, hein, mais tu vois, là, c'est vraiment dans la saison 4. Ça va, Rick, pas de soucis, moi je vais filer aussi. Vraiment, cette saison 4, il n'y avait aucun rail et c'était la folie. Du coup, la saison 2, la saison 4, je pense que c'est celle qui m'excite le plus. Charmeur de maman. La saison 4, incroyable dans les lieux et les rencontres. Mais ouais, la saison que tu as le moins kiffé, la Thaïlande. Ah non, ouais, c'est ça, ouais, c'est la saison 3 que j'ai le moins kiffé. Enfin, c'est la Thaïlande que j'ai le moins kiffé, ouais. Pas trop de touristes, mais l'atmosphère générale de Bangkok, j'ai pas accroché. Puis beaucoup de touristes, bien sûr. Beaucoup de tourisme, exactement. Et un peu du dark touriste, tourisme sombre un petit peu. Donc, enfin, c'est pas du tourisme pour les bonnes raisons. Donc. Et merci encore pour tous ces moments, poteau. On se revoit bientôt absolument. Mais bien sûr, Eric, on se revoit cette année, vas-y. On se revoit cette année. Cette année, je vais à Shanghai et à Taïwan, les amis. Vous aurez une vidéo de Shanghai, une vidéo de Taïwan. Et si tout se passe bien, peut-être Japon, j'aimerais bien aller voir Guigui. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ça. Semaine prochaine, on commencera. Dans la semaine prochaine, déjà, vous avez une nouvelle vidéo. Et le prochain live, ça sera la prochaine vidéo. Là, je l'avais déjà téléchargée. Là, c'est la rencontre. Enfin, petite soirée avec Lisa. Là, ça va être bien. Et après, je sais pas les autres. Je les ai pas téléchargés encore. Je sais pas ce que je vais faire. Merci d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans la semaine ou tous les jours sur Instagram. Vous le savez. Les VIP, je vous retrouve tout de suite pour un petit live à la bonne franquette entre nous. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et un très bon dimanche. Hasta la vista.